Kale 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 Shvaraya Shiva Shiva Sarveshvaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho रफ्तार में हरदम समय का पहिया चलता जी कोई दिन महला न कोई दिन से जा कोई दिन खाक बिछाना जी करना फकीर फिर क्या दिलगीरी सदा मगन में रहना जी कोई
कुछ भी पाए गर्व न करिए दुनिया नी जानी है कुछ भी पाए गर्व न करिए दुनिया नी जानी है तेरे साथ जहां से तेरी परछाई भी जानी है सबको अपना प्यार बांटना मीठे बोल बोलना जी कोई दिन मेला कोई दिन अकेला कोई दिन खत्म जमेला जी करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी Namaskaram, où que vous soyez. Eh bien, il y a eu une merveilleuse averse, et il n'a pas plu depuis plus de 2 mois, probablement. La nuit dernière, il y a eu une averse. Tout est frais et vert et merveilleux ici dehors. J'aimerais que vous soyez ici aussi. Mais si vous venez maintenant, vous allez devoir passer par 28 jours de quarantaine. C'est le standard au centre Isha Yoga. Donc ne venez pas pour le moment. Donc, la nuit dernière, toutes les... Vous savez, les mangues pas encore mûres, toutes celles qui n'avaient pas la force nécessaire pour tenir sur l'arbre sont tombées. Celles qui ont survécu à la pluie d'hier vont devenir mûres. Non, je ne parle pas que de mangue. C'est la nature de la vie. Allez-vous vous détacher parce que vous êtes fatigué? Allez-vous vous détacher par ennui? Allez-vous vous détacher par faiblesse? Ou allez-vous vous détacher à cause d'un manque d'implication? Ou allez-vous vous détacher quand vous êtes mûr? C'est très différent. Un fruit devrait se détacher quand il est mûr. Donc, ça devrait aussi être le cas de l'être humain. Vous devriez vous détacher de la vie quand vous êtes bien mûr. Pas à mi-parcours, à cause d'un problème de santé, ou à cause d'un virus, ou à cause des rigueurs de la vie, ou parce que vous vous êtes inquiété jusqu'à en mourir. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de la santé, et la pandémie danse sur toute la planète, en faisant d'énormes dégâts. Certains pays sont très touchés, certains attendent d'être touchés. Certains se battent pour la contenir. Certains ont abandonné et se tournent vers Dieu. Nous devons comprendre que si vous êtes exubérant, joyeux et merveilleux, votre système immunitaire va fonctionner bien mieux que quand vous êtes inquiet et angoissé. C'est très simple. Eh bien, allons-nous être capables d'empêcher ce virus d'entrer dans nos maisons et dans nos corps à 100%? On ne le sait pas. On essaie. Mais on peut au moins faire cela. Faire en sorte de rester aussi dynamique que le virus. Il est très dynamique, il fait très bien son travail. Nous devons très bien faire le nôtre en tant qu'être humain. Une chose fondamentale, c'est de veiller à ce que cette vie reste exubérante et vivante. Ça peut s'exprimer sous forme de joie, sous forme d'amour, sous forme de méditation, ou d'immobilité ultime. Mais cette vie
devrait rester exubérante, pas dépressive, dans un moment comme celui-ci, en permanence. Mais maintenant, ça va avoir des conséquences, positives ou négatives, selon la façon dont vous êtes. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire, « Ce n'est pas de la science. » Bien sûr. Il n'y a pas de définition de ce qu'est la joie et de ce qu'est la santé dans aucun livre scientifique. Mais les gens sont joyeux, les gens sont en bonne santé, certains au moins le sont. Les autres font des commentaires. Très bien. Mais c'est quelque chose que chacun d'entre vous doit s'efforcer de faire, en particulier en ce moment. Vous n'avez pas beaucoup de travail. Nous avons beaucoup de travail ici. La seule chose, c'est qu'on ne voyage pas, mais ceux d'entre vous qui sont assignés à résidence parce que votre bureau, votre affaire et autres sont fermés, je sais que ça a des conséquences économiques, diverses conséquences sociales. Laissez ça de côté pour le moment. Parce que l'économie, la société et bien d'autres structures dans le monde sont toutes créées pour le bien-être de cette vie. Maintenez-la en forme, en vie, exubérante, joyeuse. La capacité de votre corps à, si ce n'est pas à repousser, au moins combattre le virus, sera grandement améliorée. Cela au moins tout le monde doit le faire. Le reste dépend de diverses situations. Pas seulement de vous, la façon dont tout le monde se comporte va aussi vous affecter. Donc tout cela n'est peut-être pas à 100% entre vos mains, mais vous maintenir en forme, vous maintenir aussi vivant que possible, c'est extrêmement important. Ceci, vous devez le faire parce que c'est entre vos mains. Vous voyez, tout a l'air magnifique ici dehors, mais le monde ne va pas bien. Les êtres humains, au moins, ne vont pas bien. Eh bien, un certain nombre d'êtres humains sont déjà malades. Malheureusement, dans certains pays, les dirigeants de la nation sont touchés. En particulier en Grande-Bretagne, malheureusement, le Premier ministre est maintenant en soins intensifs. Ce n'est pas bon, parce que ça pourrait mettre un gros coup au moral de la nation quand ils voient que les dirigeants au sommet tombent d'une certaine manière. Ça pourrait affecter la nation tout entière. Donc il est très important que les dirigeants restent en bonne santé et restent une source d'inspiration pour tout le monde. Mais malheureusement, ça s'est produit. Dans certains pays, c'est devenu un peu extrême. Même les tigres dans les zoos l'attrapent. Eh bien, cela amène une nouvelle dimension à toute cette histoire de virus. Jusqu'ici, tout le monde essayait de croire, voulait se faire croire, que c'est uniquement d'être humain à être humain. Ça ne va pas se transmettre autrement. Maintenant, ceux qui jouent avec des animaux de compagnie, les animaux de compagnie rendaient les gens heureux. Maintenant, eux aussi deviennent suspects. Votre chien devient un personnage suspect. Votre chat appartient à coup sûr à la famille des gros chats. Maintenant que le tigre, l'un des chats les plus féroces que vous puissiez trouver sur la planète, ou le chat le plus féroce que vous puissiez trouver, maintenant il a commencé à tousser. Maintenant, c'est une toute autre dimension en termes de gestion. Si les animaux autour de nous commencent à l'attraper, eh bien, ce qu'on ne peut pas faire aux êtres humains, on va commencer à le faire aux animaux. Beaucoup d'entre eux vont être endormis, tous ces problèmes vont arriver et les êtres humains vont souffrir de tout ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de dimensions à cela, on ne sait pas quelle tournure ça va prendre. Mais en même temps, on l'a répété à de nombreuses reprises, en agissant de façon consciente et responsable, on peut le contenir. De toute évidence, on ne peut pas l'arrêter. On peut le ralentir. Mais
Si un véhicule va vite, il arrivera vite à destination. S'il va lentement, ça va lui prendre longtemps. En ce moment, on ralentit. Eh bien, quelques États en Inde ont déjà déclaré, avant même qu'il y ait une directive du gouvernement central, ils ont d'eux-mêmes décidé qu'ils allaient prolonger le confinement. Peut-être avec de légers ajustements, mais ils vont prolonger le confinement en général, en particulier en ce qui concerne les voyages, les transports en commun, ça va continuer à coup sûr. Donc, en temps voulu, je suis sûr que ça va aussi venir du gouvernement central. Donc ce que je dis, c'est que beaucoup d'entre nous vont être assignés à résidence pour bien plus longtemps, à moins que vous ne soyez dans un certain type d'activité ou d'industrie. Donc il est temps pour vous d'investir dans votre bien-être, le bien-être de cette vie, parce qu'après tout, notre travail, notre richesse, nos affaires, nos interactions sociales, le but de tout ça était essentiellement notre bien-être. Donc concentrons-nous là-dessus, parce que le bien-être humain, votre sentiment de bien-être, survient parce que vous êtes paisible, vous êtes joyeux, vous êtes aimant, vous vous sentez merveilleusement bien. C'est ça le bien-être. Et toute l'expérience humaine a lieu en vous. C'est le moment de comprendre cela et de commencer à maîtriser cet aspect. Il y a beaucoup d'aspects qui sont déjà disponibles. Ce que l'on peut transmettre directement ne peut pas l'être en ce moment, mais toutes les instructions qu'on peut donner en ligne, il y en a déjà beaucoup. On peut en fournir beaucoup plus si vous avez des besoins particuliers, on peut le faire. Mais l'important, c'est faites usage de cette période, parce que vous n'en aurez peut-être jamais une autre. J'espère que vous n'en aurez pas, à moins que vous ne le choisissiez consciemment. Vous n'aurez peut-être plus jamais dans votre vie une période de 4 semaines, ou 6 semaines, ou 8 semaines, juste pour vous. Ceci n'arrive que dans la vie de chercheurs spirituels bien décidés. Maintenant, quasiment les deux tiers du monde à cette occasion, c'est le bon moment. Eh bien, c'est le seul choix qu'on ait, dans le sens où ce que le monde nous envoie n'est pas toujours notre choix. Ce qu'on en fait est à 100% notre choix. Ceci devrait devenir un temps de régénération. Ceci devrait devenir un temps de mise en valeur de votre vie. Ceci devrait devenir un temps où vous améliorez vraiment la qualité de ce que vous êtes, en tant que vie, en tant qu'être, et en tant que personne aussi. À nous de jouer. Sadhguru, cette question est de Maya. Cher Sadhguru, une fois j'ai entendu un proverbe français qu'on peut traduire ainsi, « Mieux vaut une dictature de sages qu'une démocratie d'idiots ». Que pensez-vous de ça? Si vous pouvez gouverner une nation, choisirez-vous d'être un sage dictateur? Maya veut dire illusion. Avant tout, laissez-moi dire une chose, je n'ai l'intention de gouverner aucune nation. Je pensais au monde. Pas pour gouverner, mais pour inspirer. Parce que seuls ceux dont les façons d'être ne sont pas naturellement une source d'inspiration vont penser à gouverner les gens. Je n'ai jamais pensé à gouverner les gens parce que je trouve ça trop rudimentaire. Eh bien, peut-on inspirer le monde entier ? Sadhguru, vous avez vous-même admis que vous êtes un échec. Oui, j'en suis un.
Peut-on inspirer le monde entier? Certaines personnes ont besoin d'être gouvernées. Peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est vrai. Mais ça n'a pas forcément besoin de le rester. Êtes-vous un optimiste incorrigible? Non, je ne le suis pas. Mais je sais qu'un être humain est une possibilité. Eh bien, la période de traitement dont j'ai eu besoin a été un peu longue. Mais je sais quel genre d'être humain j'étais et aujourd'hui comment je suis en moi. Donc si j'ai pu être transformé, je suis sûr que vous pourriez l'être aussi. Oui. Et je suis sûr que tout le monde peut l'être. Le seul problème, c'est que certaines personnes ont lourdement investi dans leur propre système de croyances, leur propre écriture, leur idéologie. Des gens assignés au paradis, vous savez. J'aimerais juste les en informer. Bien que tous les systèmes de transport du monde soient en grande partie arrêtés, les moyens de transport pour aller au paradis ne sont pas arrêtés. Juste pour information. Donc ceux qui pensent que ceci n'est pas un bon endroit pour vivre, qu'il y a un meilleur endroit pour vivre ailleurs, ce sont les seuls qui sont longs à transformer. Il est difficile de les inspirer, parce que il n'y a qu'un pied ici, un autre pied est là-haut. Seule une oreille est ici, l'autre oreille est là-haut, à inventer des choses qu'ils n'entendent pas. Donc à cause de cela, les inspirer dans la bonne direction peut prendre bien plus longtemps. Autrement, cette période du virus est une bonne période, à vrai dire, parce que le virus vous rappelle... Vous savez, je vous ai toujours rappelé votre nature mortelle. Mais regardez l'efficacité du virus. Ça m'a pris 38 ans et j'ai convaincu... Vous savez, peut-être presque 1 milliard de personnes aujourd'hui, que vous êtes mortel. Mais en un coup, en 2 mois, je n'ai pas l'efficacité du virus. Mais le virus a fait ce travail. Il nous a rappelé à quel point nous sommes fragiles et mortels en tant que vie. Faisons bon usage de cela. Parce que, si vous ne le savez pas, dans la culture yogique, la première étape du processus spirituel, avant l'initiation, toujours, c'était que le chercheur ou le sadhaka doit aller passer un certain temps sur un terrain de crémation. Vous verrez toujours Shiva lui-même assis comme ça sur les terrains de crémation, parce que l'idée est de vous faire réaliser le fait fondamental que vous êtes mortel. Pourquoi est-ce si important? C'est la chose la plus importante parce que vous avez une quantité de temps limitée, c'est ce que mortel veut dire. Autrement, dans votre stupide mental, vous continuez à penser qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire après-demain, qu'est-ce que je vais faire le jour suivant, le suivant, le suivant, comme si vous alliez être ici pour toujours. Si vous allez vous asseoir sur un terrain de crémation, un corps après l'autre, qui ont l'air exactement comme vous, sont tous réduits en cendres. Un enterrement n'aura pas cet effet, parce que vous allez imaginer qu'ils sont là-dessous et qu'ils vont faire quelque chose. La crémation le fait très clairement, elle vous fait réaliser que vous êtes mortel. Donc, d'une certaine façon, cette première partie de la sadhana que la culture yogique exigeait de tout le monde, maintenant, avec une pandémie comme celle-ci, malheureusement, une telle chose doit avoir lieu pour que les gens réalisent. Ils le réalisent, beaucoup de gens qui pensaient être immortels, riches et pauvres,
Comment ça? Les pauvres sont en général conscients. Ce sont les riches qui pensent qu'ils sont là pour toujours. Parce que dans le confort des quatre murs, vous n'êtes même pas une vie. Vous êtes préservé. Quand vous vivez en permanence entre quatre murs, ça vous donne la fausse impression que vous êtes préservé pour de bon. Un jour, pour la plupart d'entre vous, un jour ou une nuit, de, disons, temps féroce. Je refuse de dire mauvais temps. Ça vient de la culture anglaise. Nous n'avons pas de mauvais temps. Certains jours, le temps est féroce et fantastique, comme la nuit dernière où il a plu à verse. Une nuit comme celle-là, vous la passez en forêt. J'en ai passé beaucoup. Une nuit, vous la passez comme ça. Vous allez très fortement réaliser quel ver de terre fragile vous êtes. Les vers de terre savent comment survivre. Vous ne le saurez pas. Vous allez lutter avec toute votre cervelle. Comment s'en sortir si vous n'avez aucun équipement? C'est comme ça que j'allais dans la jungle, sans aucun équipement. Uniquement ma montre HMT. La marque s'est arrêtée, je crois, maintenant. La fichue chose s'embuait en 5 minutes de pluie. Vous ne pouvez même pas voir l'heure. Vous ne pouvez pas lire les étoiles. Vous ne pouvez pas sentir si le soleil se lève ou pas parce que c'est couvert et qu'il pleut des cordes. Alors vous verrez que vous ne saurez pas par où aller parce que tout est... Vous êtes presque aveugle en ce qui concerne la direction. Donc soit vous tournez en rond indéfiniment, soit vous essayez de vous asseoir quelque part et vous voyez les vers, les insectes, et bien sûr les tigres et les éléphants. Ils sont tous bien équipés, ils gèrent tous la situation. Vous êtes la seule créature qui se bat vraiment pour trouver sa place à cet endroit. Vous voyez très clairement à quel point vous êtes fragile, une erreur, et vous ne verrez pas le lever du soleil. Une erreur, et vous ne verrez pas le lever du soleil, c'est comme ça. Donc en vivant dans le confort de quatre murs, la plupart des êtres humains ont ce sentiment qu'ils sont préservés, parce que dans une boîte, on se sent toujours comme ça. Donc les terrains de crémation, et ensuite les forêts, étaient deux instruments qui étaient toujours utilisés dans la culture yogique pour vous faire réaliser cela. Parce que pour devenir un chercheur spirituel authentique, ceci est la chose la plus importante. De savoir que votre temps est limité. Mais les gens sont plus rusés que ça. Ils ont commencé à parler de vie éternelle ailleurs. Eh bien, en Inde, vous avez inventé ceci. Je vais revenir encore sans vie. Eh bien, les gens ont essayé de trouver des moyens d'être plus que cette vie dans leur mental. Il y a des façons d'être plus que cette vie, mais pas de façon psychologique. Vous ne pouvez pas inventer quelque chose, ça ne va pas marcher comme ça. Même si vous croyez que vous allez au paradis, si quelqu'un vous met un pistolet sur la tempe, vous allez trembler. Vous devez être extatique, vous allez au paradis. Mais une telle chose n'aura pas lieu, parce que la vie sait. Dans votre tête, vous pouvez inventer toutes sortes de bêtises, mais la vie à l'intérieur sait que si elle quitte l'enveloppe de ce corps, alors ce qui vient ensuite est resté... Donc, de l'inspiration. Qui que soit le français qui ait dit ça, définitivement, si un sage ou un groupe de sages, comme le dit le proverbe, gouvernait la planète ou la nation, ce serait à coup sûr mieux que d'avoir toutes sortes d'idiots qui gouvernent. Mais est-ce que ces sages seraient des dictateurs? Si ce sont des sages, ce ne seront pas des dictateurs. Parce que être un sage et dicter, ça ne va pas ensemble. Si ce sont des sages,
S'il y en avait tant que ça en France, je ne sais pas comment vous en trouveriez autant en France. Ils inspireraient. Voyez, des changements ont eu lieu en France, à partir d'une révolution inspirée. Peut-être pas des sages, peut-être des travailleurs, mais à partir d'une inspiration, pas à cause d'une dictature. Mais aujourd'hui, la démocratie, qui est une idée fantastique, a ses problèmes. Parce que lentement, les partis politiques, les individus, ceux qui aspirent au pouvoir, ont compris la mécanique, en particulier au cours des 20-25 dernières années, je pense. Ils ont compris l'arithmétique et la mécanique de la victoire à une élection. Ce qui n'est plus démocratique. C'est devenu une espèce de... d'expertise professionnelle, de gestion des nombres. Mais tout de même, c'est une meilleure façon de... Essentiellement, démocratie et dictature, démocratie contre monarchie, démocratie contre dictature. L'aspect le plus utile de cette démocratie, c'est que vous pouvez changer de pouvoir sans que du sang ne coule dans les rues. Et il change tout le temps. Ce qui est à la fois un avantage et un désavantage. La plupart du temps, il n'y a pas d'effort continu pour le développement de la nation. Parce que tous les 4 ou 5 ans, quand il change, ce que certains ont fait, d'autres veulent le défaire. On a vu cela se produire dans le monde entier. Donc tout un tas de catastrophes ont eu lieu à cause de cela. Mais malgré cela, vous n'avez à supporter ces personnes qui sont élues que pendant 5 ans, maximum, dans le monde. Je pense que certains gouvernements, c'est 6 ans, 4, 5, 6, c'est tout. Mais si vous avez un dictateur ou un monarque, vous allez devoir les supporter pendant 25 à 30 ans. Au moins, ce changement de décor, c'est le plus gros avantage de la démocratie. La question suivante est de Cody Shoran. Namaskaram Sadhguru. Dans le monde, on voit ça se produire tout le temps. Les gens ne suivent pas même les règles de base. Comment est-ce que tout est si parfait, Aïcha? Et comment est-ce que les gens font ce qu'on leur demande de faire? Qui a dit qu'ils sont parfaits? Ça me semble vraiment magique. Pouvez-vous l'expliquer? Oui. Voyez, tout ce que vous n'êtes pas capable de faire, si quelqu'un le fait, ça aura l'air magique ou fantastique ou divin ou peu importe. Supposez... Voyez, supposez que quelqu'un marche sur l'eau. Ce serait magique. Ce serait... divin. Ou au moins, fils du divin. Donc, de même, comme vous n'avez jamais vu quiconque faire ça, et que vous n'en êtes pas capable non plus, disons que personne ne sait nager dans le monde. Soudain, un jour, un homme se jette dans la rivière et traverse. Est-ce que ça aurait l'air magique? Est-ce que ça aurait l'air divin? À coup sûr. Maintenant, vivre avec juste un peu de bon sens, pas avec une sensibilité absolue, avec juste un peu de bon sens, vous semble magique. Je peux imaginer dans quel genre d'ambiance vous vivez. Les gens ici ne sont pas parfaits. Ils s'efforcent de s'améliorer.
Rien que parce qu'ils font cet effort, nos volontaires, partout, pas juste au centre de yoga, sortent du lot, simplement parce qu'ils s'efforcent de s'améliorer. C'est tout ce que vous devez amener dans vos vies. Personne ne s'attend à ce que vous soyez parfait, mais vous efforcez-vous de vous améliorer, c'est important. Tant que vous vous efforcez de vous améliorer, la vie va sans cesse s'améliorer. Oubliez la vie, vous allez progressivement vous améliorer encore et encore et encore. Au fur et à mesure que vous vous améliorez, tout autour de vous va s'améliorer. Donc, c'est tout. Mais peut-être que cette question est posée à cause de certaines choses irresponsables que quelques personnes font dans le monde, en particulier dans ce pays. Peut-être que c'est la raison pour laquelle elle est posée. Mais nous devons aussi reconnaître que la majorité de la population dans le pays suit actuellement les instructions et fait un travail merveilleux pour ralentir le virus ou la propagation du virus. Quand dans des pays comme les États-Unis, où il y a 4 fois moins de gens et 3 fois plus de terres, ça se répand comme une traînée de poudre. Je crois qu'il y a plus de 11 000 morts. Pour nous, ça vient juste de dépasser 100, je crois. Est-ce que ça a dépassé 100 ou pas déjà? Ça vient juste de dépasser 100, avec 1,4 milliard de personnes, avec un tiers de la surface, et 4 fois plus de gens. De toute évidence, nous devons féliciter les citoyens et les dirigeants. Donc, ne dressons pas un tableau aussi sombre d'eux. Peut-être qu'ils se comportent un peu mal autour de vous, Kodishwaran. Parce que votre nom indique que vous avez des millions. Kodishwaran veut dire quelqu'un qui a des millions de roupies. Et peut-être que vous ne les partagez pas, donc ils sont méchants avec vous. Vous devez aussi comprendre que c'est quelque chose que vous devez tous amener dans vos vies, s'il vous plaît. Si soudain vous vous rendez compte que les gens se comportent un peu mal autour de vous, qu'en marchant dans la rue, même un chien en laisse veut vous mordre, si une telle chose a lieu, vous devez vous arrêter et vous demander « qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Vous devez le faire. Ne pensez pas que le monde entier est devenu fou. Si vous constatez que continuellement les gens réagissent mal avec vous, vous font des choses méchantes, vous devez vous arrêter et réfléchir à cela. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? C'est très très important. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de transformation possible. Peut-être que vous devez partager vos millions, Kodishwaran. Si vous avez des millions, moi aussi j'ai besoin de vous en ce moment. Parce que nous cherchons à amplifier ce travail bénévole en cette période du virus. Donc, si vous avez des Kodi, nous aussi, on a besoin de vous. La question suivante est de Mira. Je me rends souvent à Devi, mais je ne peux pas aller à l'ashram depuis le début du confinement. Je me sens tout le temps anxieuse et apeurée. Y a-t-il une façon d'invoquer la grâce de Devi au quotidien? Eh bien, ce qui est consacré en tant que Devi est une forme physique ici. Le Mulashtanam, ou la forme racine, est ici. Mais si son influence était limitée au temple, ça ne vaudrait pas le coup de gaspiller notre temps et notre énergie sur elle. Son influence n'est pas déterminée par l'espace physique, où que vous soyez. Si vos portes sont ouvertes, elle est accessible. Vous devez comprendre qu'il y a deux types d'images ou deux types de consécration.
L'une est juste une réverbération. Vous pouvez même faire réverbérer ce pot, mais vous ne pouvez pas accéder à ce pot d'ailleurs, parce qu'il ne fait que réverbérer sans avoir aucune intention spécifique. Il n'a aucune intention ou intelligence. Mais les consécrations qui sont aussi complexes que celles de Devi, ou bien plus dans le cas du Dhyanalinga, elles ne sont pas limitées par l'espace physique. Beaucoup, beaucoup de gens, la première fois c'est arrivé aux États-Unis. Je pense que ce n'était que le deuxième programme d'ingénierie intérieure que l'on faisait. Il y avait une dame qui était impliquée dans toutes sortes de, vous savez, peu importe, un certain genre de travail, dans les Caraïbes. Elle passait son temps à griffonner son cahier au crayon. Vous savez qu'on ne veut pas que les gens prennent de notes. Je lui ai dit, non, vous ne pouvez pas prendre de notes, soyez simplement avec moi. Elle me regarde simplement, elle ne regarde même pas le cahier, elle me regarde et elle fait ça avec son crayon. Puis, à la fin de la session de 3 heures, elle me dit, je ne sais pas comment c'est arrivé, quelque chose est apparu, et c'est ce que j'ai obtenu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant que je vous regardais, j'essayais de vous dessiner vous, mais c'est ça que j'ai obtenu. C'était clairement les proportions de Dhyanalinga. Ça doit encore être dans nos archives quelque part. Elle a juste obtenu l'image de Dhyanalinga. Elle avait noirci toute la page avec son crayon. Ce qui n'était pas noirci était pile la forme de Dhyanalinga. Exactement, exactement les mêmes proportions. Mais elle essayait de me dessiner moi. Donc je vous le dis, les formes consacrées ne sont pas limitées à leur espace physique. Et le fait que vous soyez anxieuse, eh bien, vous avez ce choix, vous avez tous ce choix. Vous pouvez utiliser ce mental soit pour créer du bien-être, soit du malheur pour vous-même. C'est une chose que vous devez accepter. Vous devez comprendre que si vous vous sentez merveilleusement bien à cet instant, ça doit être à cause de vous. Si vous vous sentez très mal à cet instant, c'est à cause de vous. Les autres choses peuvent stimuler, mais essentiellement, toute expérience humaine est causée par vous, vous et vous seul. À quel point vous êtes enchaîné aux situations extérieures est simplement déterminé par le degré de compulsion avec lequel vous réagissez aux choses. Si vous réagissez très fortement, ce qui est autour de vous va déterminer la façon dont vous êtes à cet instant. Si vous êtes une réponse consciente au monde dans lequel vous vivez, votre bien-être sera tout à fait entre vos mains. La grâce de Devi peut être utilisée pour quelque chose de bien plus élevé que simplement vaincre votre anxiété. Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala, kala, kaleshwaraya Shiva, shiva, sarve Shambho, Shambho, Mahadev.